Bonsoir, on a commencé le mois de décembre avec une superbe recette pour nous ouvrir mois fête là, mois grog là, mois côté, nous allons faire un pile get together, nous allons faire, nous allons fêter de façon générale. Ok, je dis à moi de présenter nous une boisson que nous-mêmes haïtiens nous prenons en pile le mois de décembre, janvier, c'est Kremas. Et nous allons faire un Kremas spécial, je dis c'est Kremas avec café. Ok, le mois de décembre là, bien commencé pour un pile le monde. Bon, alors, on va faire commencer avec recette, mais en songer, les comme la commencé pour vous voyez pas pour moi, tout le monde qui te promet, moi, nous avons un an là, nous avons fait commencer Kremas là, vous voyez, moi, songez, il y a là d'ailleurs qui te promet, qui dit comme la presse, ça pour moi, moi, comme la presse toujours. En tout cas, on va faire commencer avec Kremas Café, ça, vous voyez, comme pas pour moi. Alors, nous saluons et remercions tout les membres de la chaîne. C'est nos gens qui ont gardé là. Okay? C'est des gens qui ont supporté la chaîne. Okay? Alors, si vous voulez venir membre de la chaîne, vous cliquez sur le bouton Join et rejoindre ma vidéo. Et vous choisir un plan. Nous avons un plan argent, nous avons un plan gold, nous avons un plan saphir, nous avons un plan diamant, nous avons un plan super fort. Vous choisissez là-dedans en fonction de budget, de moyens ou bien de générosité. Okay? Ou bien, si vous voulez, ou bien PayPal, vous pouvez toujours voir contribution là dans Gaspard Dorélien via PayPal. Ok? Bon, eh bien, attendez-nous. Là, nous allons présenter là ensemble ingrédients avec matière nous allons utiliser pour faire super Kremas café. Donc, fanatique café, fanatique crémation, voilà le joint. Mise en place pour réaliser Kremas café. Premier bagage qu'on a besoin pour réaliser Kremas là, c'est cocoyer. Là nous gagnons 2 cocoyers que nous caler, râper, on prend couper un petit morceau comme ça. OK, me quitte un petit morceau pour montrer nous. Alors partie noire ça, des cocoyers, on prend faut retirer après ça pour nous râper pour le sortir comme ça. OK? Bon, alors ça, c'est si ou vous pouvez le faire dans le blender. Mais si c'est grage ou gragé, vous pouvez toujours retirer partie noire ça. Mais vous n'avez pas besoin de rappeler et couper un petit morceau comme ça. Parce que moi-même, je vais passer dans un food processor ou bien un blender. Ok? Pour me tirer l'être là. Alors, sur mon côté, vous partage un cocoyer. Quand il y a des gens qui sont en Europe, ils n'ont pas besoin de cocoyer. Moi, je vais toujours servir avec les cocoyers ça vous vend dans la canette là. Bien que, on prend. Kremas ou pas des mêmes goûts avec Kremas qui fait avec cocoyer et 100% naturel. On a besoin lait évaporé non sucré ou bien lait canation comme ça. OK, on a utilisé 3 saillots et puis on a besoin l'autre petite quantité encore. On a pour suivre recette là pour nous ça une belle favelle. On a besoin bien entendu un food processor ou bien un blender. On a besoin tafia, là nous gagnons rhum. Nous avons utilisé environ 3 tasses rhum. Nous avons besoin d'essence zamane, bien noyau, si nous jouons noyau, ou bien noyau, je me contente de dire en Haïti. Nous avons besoin de 3 petites boîtes lait condensé sucré. Ok, nous montrer comment, comment nous avons fait le sous-chaîne déjà. Si vous voulez, nous avons fait propre lait condensé sucré. Bon, en même temps, j'ai apprécié là. Donc, m'acheter, mais sinon, si vous voulez, mon café. On a besoin de café soluble, café instantané. Café, ça, c'est pas qu'il faut besoin de couler dans la grappe. Ok, c'est café ou juste mettez dans de l'eau chaude, mettez sucre pour gagner café. Ou bon mettez dans la machine, à expresso, etc. Donc oui, son café instantané pour acheter. C'est pas café ou couler dans grêpe là. Ok, dans la maquette, on a un café ça acheter. Bon, nous connaissons pas tellement fanatique sucre. Moi-même, j'ai utilisé seulement ta sucre pour quantité ça, nous va le faire. On a besoin d'essence vanille, blanc. On a besoin de mesurer ta ça pour mesurer quantité éléments qu'on va utiliser. On a besoin de qui a demi. À soupe de zeste de citron, c'est des citrons non gragés à pora, nous prenons pora, ok. On a besoin d'un petit cuillère muscade en poudre, d'un petit cuillère cannelle en poudre, d'un petit pincé sel. On a besoin d'un gros récipient comme ça pour faire mélanger. Alors pour me faire travail râpé, calé, pour courir, on a besoin d'un pileur, on a besoin d'un cuillère bois comme ça. Et puis, on a besoin d'un élément qui est très essentiel dans le travail là, qui c'est cheesecloth, qui c'est un outil utilisé pour couler et crémasse là à la fin. Bon, mais ce bagage, on a toujours fait avec un petit passoire qui fait un peu. Ma première siège, Soncha qui te voyait faire un cadeau, cheesecloth ça. Voilà, c'est ensemble éléments ça, nous allons l'utiliser pour nous faire crémasse café. Café à impliquer café, nous allons faire café d'abord. Ok, on va vous montrer une petite technique pour faire un bon petit café sans de l'eau. Songez, crémasse, pas mélanger avec l'eau du tout. Donc c'est l'aide que nous allons utiliser pour faire café. Ok, suivez-moi sur du fer, vous mettez cette belle. Ok, alors café soluble là ou bien café instantané, li plus dilué bien. C'est dans liquide qui est chaud. Donc si ça fait, l'aide nous va le faire là, ça l'aide nous va le faire, il faut que l'aide là chaud. Donc c'est pour ça que nous mettons un petit bombe sous du feu, nous prenons une tasse l'aide. Ok. Nous attendons bouillir bien chaud. Et ensuite, nous allons faire café. Dès qu'il y a un morceau avec toutes les balais pour faire des démonstrations, donc quand on fait, c'est on va retirer toute chair derrière. Alors, les gens qui habitent, regardez, habitent à chair. On fait ça plusieurs fois, en plusieurs crémasses. Ok, on retire, on va douiller la laine du tout. Et puis ensuite, couper comme ça. Nous rappelons ça. Ok, si tu es un peu gros, on doit utiliser un pileur. Ok, voilà. Donc, ça, c'est les nouvelles blender, on va passer dans le food processeur. Mais si c'est gragé, on va le grager. On va juste retirer des airs et le grager. Ok, et bien, nous bouillons là. On va dans le café. Son j'aime te dire nous c'est café instantané, ça veut dire café pas besoin de grec, café ou utiliser la machine yo, expresso etc. Ok? Qui peut quitter ma. Ok? Donc nous mettez là, on fait assez fort, 2-3 qui est pour qu'il y ait vraiment un goût café. Pour le café va bien sortir. Ok? Ouais. Ouais, café à guet en fond, pas grand-chose malade. Alors que si c'est café, nous prenons, maman nous fait grand, nous fait café, nous est haïtien, on prend lit au capitaine là ça. Ok. Donc obligatoirement chauffer la velle pour qu'on gagne un bon café, etc. qui finit net. Et là encore son café pour le faire avec de l'eau. Et crémasse là pas dans de l'eau du tout. Donc c'est fait c'est café instantané à vous utiliser. Ok, café nous est en bon là. Et bien, on a pété ni et puis on a pété du fenouil et puis nous allons quitter là, mettre dans notre récipient pour le cas frais rapide parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser le chaud. Ok, et bien, là, nous allons chercher gagner lait cocoyer noir. Et lait cocoyer justement pour nous faire blender ou bien l'en fin grager là, l'en bral plus gel pour nous tirer lait là et pas de l'eau pour nous mettre là-dedans. Donc on va faire avec warm là. Ou bien vous pouvez faire avec clairin, si c'est clairin, ou bien vous pouvez faire avec l'aide là. Ok? Vous pouvez faire avec l'aide là. Mettez-le dans le faux processeur, du cocoya, râpé, tout le blanc. Ok, bon, mettez quantité ça. Je vais prendre tout. Je vais monter, renverser. C'est vous qui la prenez toute, mais là, nous commençons à virer, à monter avec là. Ok, et puis, mettez là-dedans. Veillez quand vous utilisez. Il y a combien vous mettez, combien de coco vous avez besoin pour faire 3 gallons. Et bien, juste faire calcul là, vous voyez. Ok, quantité la bombe là, et puis, nous avons quantité ça, nous allons mesurer nos gallons pour voir combien de bouteilles gallons on prend, et puis, nous allons combien de coco nous utilisons. Rappelez-nous que nous avons là 2 coco. Ok, là, mettons en première tasse lettre. Mettons deuxième tasse lettre. Avec les tableaux. Mettez une troisième tasselette encore parce que nous avons besoin de joindre 3 tasselettes cocoyer. Ok, 3 et puis 4. Donc mettez 4 pour nous joindre 3. Je vais une quantité, donc je vais récupérer. Ok. Fermez. Ok. Là, moi, c'est bon. Mais, ok, nous allons utiliser un passoire maintenant pour nous couler. Ok, pour nous passer dans le passoire. Ok, pour nous tirer l'être là. Ok, on a fait, on a retourné mayo encore dans le blender avec le processeur. Ok, on va montrer mon technique là. On va tirer le maximum de lettres là-dedans. Ça a fait qu'on a pété WOM là. WOM là vraiment à pédo, vraiment décrassé ma. Pour tirer maximum de lait cocoya. Vous mettez environ une tasse ronde. Vous utilisez des tasses parce que vu mon sous-chaîne là, pas vous l'étendre de parler de 11 ou 8 grammes, etc. Donc voilà. La vie. Fait même bagaille là, on va le couler pour nous tirer l'être là. Ok, mais l'être coco est noir, l'être fin couler. Ok, l'être coco est là, tout, il y a l'être là, là, dans tout, l'être évaporé des dizaines. Ok, donc on va toujours éviter. L'être évaporé encore. Ok? Le premier bain qu'on va faire, c'est mettre le sucre là. Mettez environ. On va mettre la tasse de sucre là. Nous mettez 3 quarts. Et puis, nous allons le virer jusqu'à ce que nous attendions le bruit du sucre là encore en bas. C'est-à-dire que le sucre là fait fondre dans lait de coco mélangé à lait là. Songez, l'origine haïtienne qui dit, sous virer le deux bords, vous comprenez, que reste à tourner, donc son seul bord. Bon, nous allons commencer à là, c'est jusqu'à la fin, c'est libre pour nous. Ok, on va boire jusqu'à ce qu'il fond. Ok, bon, alors moi-même, je vais goûter ça du tout parce que mon challenge, no alcool là, donc je vais goûter du tout. Goûter ça, je vais vous dire, si il y a assez de sucre, si vous mettez reste sucre là. Plus, je vais mettre les condensés sucrés. Ok, parfait. Et bien, deuxième bagage, nous allons mettre. Ok, la mélange noir, c'est lait condensé sucré. On met en premier. Les plus bon, il faut acheter dans une petite boîte en papier, en fait, on ça. Oui. Pas gain risque blessé. Ouais, vous ne pouvez pas passer. Bon, sauf que, au moins, je dis bien lui de gérer un jeu spatule. Au moins. Oui, le problème, ça a été réglé depuis l'année passée. Avec, ouais, ma coupelle. Ouais, on coupe le mouvement net. Et puis, ouais, tout ça qui va l'été. Mais ça y va au poufel, non? Qu'est-ce qu'il pouvait? Nous voilà maintenant. Après ton bail, quand même. Même mon guide qu'on gourmet, vous t'y m'habite l'aide condensée sucrée, les parents nous ont fait crémasse. Ma tante, grande. Quand même, il doit être coché, chiré. Eh bien, on a facilité le bail là. Il roule dans le gâteau. Il ne doit pas guérir. Il plaît toujours. Mais non. Eh bien, comme ça, on a continué notre huile, on a pété tous les trois. Ok. On a fini de mettre les condensés sucrés. Nous, on a continué à boire le même bois. Toujours même bois. Bon, ça, avant d'aller gagner dans boîte de condensé sucré, ça nous utilise là, on va gagner dans mes petits monde ça problème. On va gagner dans mes petits matelots là, nous connaît, il va blesser doigt. Moi même si ça t'est jamais mon souci. Hein, tu me vas blesser. Tu me vas égarer. Égarer yo. OK. On boit c'est jusqu'à ce que lait condensé sucré a bien dilué dans le lait coco avec lait évaporé. Ok. Ça fait tout là. Mais qu'on a, on va ajouter un clairin ou bien un rhum là. Même son rhum ambré. On va utiliser là. Et du rhum marron. On mettait une tasse, mettez une demi-tasse encore, pas bien d'utiliser une tasse déjà pour blender, tirer dans la dernière marre. Ok, voici. Done. Avec une on va mettre un café. Je vais café. À boisser. Mélanger. que ça, c'est vraiment, je dis un besoin vraiment bonjour, parler, c'est vrai pour nous honnête. Maintenant, on dit nous, est-ce que le café a été assez fort? Est-ce que le fond d'affaires, si le café a encore là-dedans, est-ce que le café a sorti? Ok. Ok, super. C'est quantité de métier, bon. Ok. Maintenant, nous filmons le café, nous filmons le café à la donne, mélanger avec lait de coco, lait condensé sucré, lait évaporé, rhum blanc. Nous allons épicer le crémaçon. Épicer là, c'est ça. C'est ajouter petit brin de sel là. Point celle-là, on va ajouter muscade là avec cannelle en poudre là. Ok. Et puis on va ajouter un zeste citron qui est demi zeste citron. On va mélanger. Même bon. Ok, maintenant, on fait mélanger un cannelle, muscade, en poudre, ensemble avec zeste citron. On va mettre essence. On commence avec essence maintenant. On va mettre un bouchon ça. Pour essence vanille blanc, on va mettre la même quantité à tout. Un bouchon. Ok, la faut mélanger. Ok, maintenant nous pas quitter, mélange ça, reposer pour au moins 15 minutes. Mais nous pas quitter jusqu'à 30 minutes, même minutes même, pour que épices nous mettez bien imprégné dans le mélange nous. Ok, donc la quitter là reposer. Poser là pour une bonne quinzaine de minutes. La tournée table. Ok, après plus de 15 minutes, ok. Voici l'épice nous là bien imprégnée dans le mélange. Maintenant, nous voilà là, nous un secret pour faire crémasse la poisse là. Pour faire crémasse la poisse là, c'est un petit jus citron à mettre là-dedans. Alors, pas aller fort, en fonction de la quantité de gain, on va juger qui quantité vous mettez. Moi, je vais mettre l'équivalent un qui est jus citron dans le mélange. C'est lui qui va faire la poisse là. Ok, je me dis, non, pas aller fort. Sinon, les carines tournent au bout de bois là même. Et puis, songez que crémasse, ok, puis bon façon pour boire là, c'est pas même jour fait là au boire. Ok, et si vous avez besoin de servir une crémasse non faite, non va quelconque, faites au moins 8 jours d'avance. Ok, il faut quitter la crémasse là, confit, mettez-le dans une bouteille. Qui est en verre, pas mettre dans un galon en plastique, etc. Ou une bouteille en plastique, mettez dans une bouteille en verre et puis mettez dans le côté qui, côté soleil ou bien éclairage, pas pour entrer là-dedans, pas le frapper le toit, un côté qui fait noir. Dans un buffet, dans un placard, quelconque, etc. Ok, on va passer à l'autre opération qui est importante dans le travail, ça, c'est couler là. Avec cheese closer, on va faire ça. Ok, première chose qu'on a fait, avant d'utiliser cheese close là, on a coulé le non pas soit normal pour retirer le gros maille. Ok? Pour ne pas le mettre bouché trop, pour ne pas trop difficile pour couler dans cheese close là. Après ça, nous allons utiliser le trésor, laisser ça me rejoindre. Le trésor a une idée qui est mieux. Ok. Bon, ma ça est sorti. Il y a qui découvre ma ça là. C'est ce que tu as fait en pile. C'est tout petit en pile. On va le prendre pour le couler. On va passer là encore. Il y a quelques macabrités quand même dans la passoire. Ouais, effectivement. Ok, on y a là. Son opération, je fais à 4 mains. Vous te savez que vous avez comme ça ou bien vous videz moi. Qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? Une vidée. C'est nous, camper, camper. Campé, fermel, grissil, alors bien sûr, son pH pour le faire, il faut mettre propre, bien propre. Pour ça, on a un cutex, base, on a un journal à menu. Ok, la grissil, ça surtout, ça commence à sortir. Là, fin couler, mais ça commence en bas non. Ok. Ouais. Pour l'instant. Donc, amen, voilà l'embouteille. On va commencer avec. Par exemple, j'ai oublié non. Poisson, j'ai non. Bah, je vais mettre quoi ça là. On pile là. En noir. Non, il va en noir là. Ne pas ça. Ça. Il se fait de jambes, on mettez. Et ben non, ça vient. Ah, carafe! Voilà, carafe! Et chaque fois, oubliez le ou même c'est flux toujours vient dans la tête. Un flux de vin. Ok, songez qu'il y a un petit espace en l'air pour respirer. Un petit peu en l'air tout petit. Oups! Pas quitté. Ok. Il est un petit bail. La bouchée. Ça là. On va mettre à côté de fenouil là. Pour nos invités du mois de décembre. Même balade. Ok. La quantité fait à ça bon. Bon. Une bouteille, une carafe. On va goûter cette carafe là. Parce que combien on se lie. Ok. Et la bombe, bien, presque en deuxième bouteille comme ça encore. Voilà. La bombe presque en deuxième bouteille comme ça encore. Ok. Donc si besoin de faire galon, bouquet, fait calcul là. Ok? Mais ok, on va passer à la présentation. For all coffee and cremas lovers. Je dis à nous servir. Tout le monde qui aime le café, qui aime le cremas, vous allez être content de cette recette. Et si tout simplement vous aimez le cremas, Ou pas Doril, c'est une plus bon crémasse, crème si nous voulons, nous pas jamais goûter. Selon goûter ça, parce que nous n'aimons pas goûter. Vous voyez? Et goûter ça, après le bail, verticli, sous crémasse ça. Nous faisons cocoyer déjà, nous faisons grenadier déjà, nous faisons ananas déjà, et ben, nous faisons tamarin déjà. Vous voyez, nous faisons tout sous chaîne là. Nous faisons commerciaux songer, maintenant nous. Maintenant nous, quand la Léonard Fitness 509. I fit life. Fit life 609. Represent. Hello tout le monde. Pourquoi nous avons changé beaucoup d'habitude avec les gars là pour manger? Comment ça? On goûte là depuis tout à l'heure. Il y a un commencement de préparation. Oui, parce que c'est beaucoup goûté produit fini en fait. Même étant pour une idée de bois déjà, vraiment très bon. Bon crémasse. Baba nous menti. Il va manger chaque permis. Non. Je vais casser. Non, ça trop bon. Mon boupé qui a trouvé la donne quand même. Bon petit gâteau. Ah, non, pas de gâteau. Pain. Chargé. Nous faisons l'expérience déjà. Moi, j'ai nous crémasse à pain déjà. Quand tu sais, moi, Ayisyen? Parce que vraiment, si vous café à là-dedans, faites 4 fois plus bon. C'est vraiment une trop fanatique café. Je bois café souvent, mais par exemple, je cappuccino, café à l'aide, je n'ai pas de problème, bois ça. Donc, il rappelle mon petit café à l'aide là, on va ajouter un petit clairin, un petit alcool. Non, mais vraiment, c'est délicieux, je vous assure. Il y a eu cette cappuccino à sous chef. Bon, pas bon, maintenant ça. Donc, essayez, vous n'en reviendrez pas. Même nos challenges, je ne sais pas boire l'alcool là pour juste aller à Fini. On voit début mois juillet, camper sous sacré les bières, alcool là, moi, on fait film faire aller à sans alcool. Vous voyez? Donc, enjoy. Et pour nous faire, et pour nous qui viennent là, quand on va le mois de décembre là, ok? J'espère que bouteille ça va bien finir avec les pains. Bon, on a un petit bouteille encore. Bon, alors, blague et commerce dans mes noms. Vous voyez, il y a plein de monde là, mon nègre, pour envahir marché avec recette café. Faire exactement comme je fais là et puis, les clients sont contents. Ok? Alors, eh bien, songez, abonnez. Et si vous n'avez pas activer les notifications pour que les vidéos sorties, YouTube vous aide ça pour ne pas rater. Eh bien, faites ça. Cliquez sur le petit cloche là. Ok? Prends 2 ailes là, mais toutes les vidéos. Et puis, comme ça, on est en bataille. A bientôt pour l'autre recette. Moi, décembre, je vais envahir nous avec mon recette. Je vais que bœuf là, je vais côte de porc là. Qui l'autre recette pour nous préparer? Nous préparons un bon fruit de mer. On prend qui t'a voulu appeler de lambi. On prend, on va préparer pour nous là tout. Et puis, mon lambi créole, tout qui est en route. Branché. À bientôt pour l'autre recette. Je vais me regarder, admirer. Comment? Kremas kafe.